présenter nos trois panélistes. Donc, Isabelle Savard, professeure à l'Université TELUC. Donc, Isabelle, si vous voulez, on voit votre nom, mais quand même. Professeure à l'Université TELUC, elle est actuellement directrice des programmes d'études en technologie éducative et en formation à distance. Elle se spécialise en technologie éducative et a développé une vaste expertise sur le terrain en design pédagogique et en formation à distance. Après avoir complété sa maîtrise en technologie éducative à l'Université Laval à Québec en 1996, elle a travaillé comme enseignante responsable à l'intégration des technologies, conceptrice ou conseillère pédagogique au Canada et à l'international, notamment en Zambie et à l'île Maurice. En 2014, elle a terminé son doctorat en informatique cognitive et elle a complété un postdoctorat sur invitation en technologie éducative au Japon. Ses travaux portent principalement sur le design pédagogique, la pédagogie des sciences de la santé, le développement des compétences, l'identification et la considération des variables culturelles et contextuelles. Donc, bonjour Madame Savard. Nous avons également avec nous aujourd'hui pour parler de l'adaptation à la formation à distance, Claude Potvin, qui est agent de recherche et de planification à l'Université TELUC. Bonjour Claude. Il a participé comme collaborateur et co-concepteur au micro-programme adapté de la formation J'enseigne à distance, qui est visé par, plus précisément par le webinaire aujourd'hui. Il est responsable du volet boîte à outils de cette formation. Il cumule plus de 25 ans d'expérience en formation à distance, dont notamment une vingtaine d'années comme conseiller en formation à distance à l'Université Laval. Depuis 2001, il est chargé d'encadrement au département d'éducation à l'Université TELUC dans les cours de deuxième cycle en design pédagogique. Il détient également une maîtrise en technologie de l'enseignement à l'Université Laval. Enfin, comme troisième panéliste, nous avons Sophie Gagnon. Bonjour Sophie. Du Collège d'Alma. C'est bien ça, hein? Qui a d'abord été enseignante au département agricole de ce cégep, en technique agricole et dans les différents programmes hybrides. Elle a ensuite été mobilisée au sein du service de la formation continue comme conseillère pédagogique pour développer et déployer un nouveau programme hybride. Elle est présentement responsable de trois programmes de formation à distance. Elle est attitrée au développement des programmes hybrides dans différents domaines, donc l'adaptation à la formation à distance. Sophie Gagnon s'y connaît bien également. Alors, bonjour Sophie. Donc, comme je vous le mentionnais, vous aurez au cours du webinaire qui suit, qui sera enregistré et donc vous pourrez retrouver également le PowerPoint sur le site web de la pédagogie universitaire. On pourra mettre le lien dans le clavardage. Vous pourrez retrouver l'enregistrement et le PDF dans les prochains jours. Mais tout au long de l'activité, vous êtes invité à poser vos questions propre au contenu qui vous sera partagé directement dans la zone de questions et réponses. Donc, je crois que ça fait le tour pour les petites indications. Je rappelle, s'il y a des gens qui viennent de se joindre à nous, qu'il est tout à fait normal que votre caméra et votre micro ne soient pas activés. Alors, je souhaite un bon webinaire à vous, chers panélistes. Donc, bonjour, c'est moi qui ai l'honneur de commencer. Ça nous fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. En fait, la façon dont on a structuré le webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment, le but est vraiment de laisser le plus de place possible à vos questions, puis essayer d'y répondre le mieux possible. Donc, on a séparé ça en trois parties où on va pouvoir nous vous relancer dans des pistes de questionnement ou de réflexion. Les parties se sont précisées depuis, donc moi je vais commencer par faire un bref retour sur les essentiels du micro-programme adapté. Ensuite, ma collègue Sophie va vous parler des questionnements plus en lien avec la pratique, les travaux pratiques. Et Claude va toucher un peu plus à l'enseignement co-modal. Mais tout ça étant quand même dans un mode assez flexible, donc on va pouvoir prendre vos différentes questions tout au long du séminaire, donc du webinaire. Donc, vous voyez qu'on prévoit alterner entre des périodes où nous, on vous relance et des périodes d'échange et de questions qui vont être au nombre de trois. Donc, les animatrices du webinaire ont eu la chance de nous présenter, mais nous, on se demandait, vous,
Qui étiez-vous? Malheureusement, on ne peut pas vous poser toutes les questions qui nous permettraient de bien vous connaître, mais on a ciblé 4 questions pratiques qui vont vraiment nous permettre de voir comment on peut mieux orienter nos réponses pour répondre à vos questions. Donc, vous allez voir apparaître en ligne un questionnaire avec la question 1. Donc, on aimerait savoir si, dans votre pratique, depuis le début de la session, vous avez opté pour un cheminement hybride ou complètement à distance ou vous avez fait un autre choix. On va vous laisser quelques minutes pour répondre, puis ensuite, par la magie de la technologie, on va voir toutes vos réponses. Peut-être qu'on peut regarder les réponses, André. Donc, on voit qu'il y a quand même un partage entre ceux qui sont dans un mode complètement à distance, d'autres qui sont dans un mode hybride. Le mode autre, j'imagine que c'est peut-être du co-modal, mais on aura l'occasion d'en discuter lors des périodes de questions. Je vais passer à la question 2. On aimerait savoir pour vos parties à distance, est-ce que vous optez plutôt pour un mode principalement synchrone, donc où vous êtes présent en même temps que les étudiants à distance, un mode asynchrone où les interactions sont différées dans le temps ou vous alternez entre les deux modes? Maestro? Oui, le maestro, c'est moi. Puis là, je suis encore sur l'autre question. je vais juste essayer quelques petites choses. Non, là, c'est encore la question 1. Ah, voilà. OK, c'est parti. Désolée. Peut-être qu'on peut aller voir les réponses. Donc, on a beaucoup de gens qui sont principalement asynchrones, peu de gens qui sont principalement asynchrones et beaucoup qui alternent entre les deux modes. Donc, je vous remercie pour cette réponse-là. Donc, on va passer à la question suivante. Est-ce que vous avez réussi à adapter tout votre cours avant le début de la session, donc avant de commencer, avant que les étudiants arrivent, ou vous poursuivez plutôt le travail d'adaptation pendant la session? En fait, j'ai parlé à différents enseignants, donc il y en a peu qui m'avaient dit être prêts, tout prêts au début de la session. Il y en a certains qui poursuivent au début de la session, puis il y en a qui pensent poursuivre au fur et à mesure jusqu'à la fin de la session. Donc, on pourrait peut-être aller voir quel est le cas de nos participants. Oui, les résultats entrent encore, là. OK. Je vois le nombre de votes sur le nombre de personnes, là, donc quand ça se stabilise, je vais le partager. D'accord. OK. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train, dans la situation où vous êtes en train d'adapter votre cours en même temps que vous le donnez. Donc, ça a certaines particularités dont on va tenter de tenir compte en répondant à vos questions. La dernière, on se demandait combien de personnes avaient déjà complété le micro-programme adapté. Faites-vous en pas, c'est pas pour vous punir ou vous faire des reproches, mais c'est pour savoir à quel point on peut y faire référence.
Donc, il y a quand même pas mal de monde qui ont pas suivi le micro-programme. Donc, on va tenter de ne pas trop faire référence à des contenus. Évidemment, on vous encourage à aller le voir si vous avez d'autres questions qui ne trouveront pas réponse aujourd'hui dans le webinaire d'aujourd'hui. Donc, peut-être que certaines des réponses à vos questions se trouvent dans le micro-programme qui est en ligne, disponible gratuitement. Donc, nous, on s'est fait poser la question assez régulièrement à travers les différents types de cheminement, donc totalement à distance versus en présence ou hybride. Y a-t-il des solutions miracles? Eh bien, non, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas de meilleur choix qui fait pour toutes les situations. C'est vraiment en fonction du temps que vous avez pour adapter votre cours, de votre aisance à pouvoir cheminer de façon asynchrone, donc sans avoir de contact direct avec les étudiants. C'est les deux principaux points qui vont faire qu'on va décider quel est, puis évidemment, les cibles d'apprentissage. Donc, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on veut que les étudiants soient capables de faire au terme de la formation, puis quel est le meilleur moyen pour les amener à être capables de le faire dans l'espace d'une session. Donc, il n'y a pas de cheminement idéal, générique, mais il y a toujours un cheminement qui est idéal pour votre situation. C'est à celui-là qu'on va tenter de s'intéresser. Dans le micro-programme adapté, on a présenté un exemple de cheminement à distance. Donc, les enseignants à qui j'ai parlé, qui n'étaient pas habitués à la formation à distance, préfèrent avoir un contact assez régulier, direct avec leurs étudiants pour s'assurer que tout va bien, puis s'assurer que les étudiants cheminent. Donc, j'ai vu beaucoup d'enseignants qui alternaient entre des séances synchrones et asynchrones. Beaucoup qui démarraient leur cours avec une séance synchrone ou en présence, où ils peuvent se présenter puis demander aux étudiants de se présenter pour partir la session. Puis après ça, on peut planifier différentes activités en mode asynchrone où les étudiants cheminent avec une certaine autonomie dans un matériel qui est préparé, toujours dans le but d'atteindre les cibles d'apprentissage. Donc, l'idée est vraiment de cheminer, de trouver le meilleur rythme pour votre situation et pour l'atteinte des cibles d'apprentissage. Pour faire un bref retour sur le micro-programme, on s'est fait demander aussi qu'est-ce que c'était un cours hybride ou à distance de qualité. J'ai fait une autre présentation dans un autre webinaire où je voyais les critères de qualité plus en détail, mais ici, je vais vous parler des grandes catégories qui sont comprises en général dans les grilles d'évaluation ou les grilles de préparation des cours à distance. Donc, on va toujours avoir une partie qui traite sur la qualité de la présentation ou de l'introduction. Donc, comment on se présente à l'étudiant, comment on établit le contact, comment on l'oriente dans l'ensemble de la formation pour que l'étudiant sache à quoi s'attendre puis puisse se préparer à cheminer dans le cours. On a évidemment toujours des parties qui concernent la cohérence pédagogique du cours. J'y reviendrai tout à l'heure. On a beaucoup de catégories dans les grilles qui viennent se questionner sur les questions de mesure et d'évaluation. On va faire attention ici de ne pas trop empiéter sur le terrain d'un collègue qui va faire le webinaire évaluer, le prochain webinaire. Mais si vous avez des questions qui ont besoin de réponses immédiates, on pourra y répondre. Mais ici, l'idée est de pouvoir donner de la rétroaction assez régulièrement aux étudiants pour qu'ils puissent cheminer puis se rassurer et se corriger quand c'est nécessaire de le faire. On va bien évidemment avoir des critères qui concernent la qualité des matériels pédagogiques qui sont déposés, ou la qualité des interactions, des moyens de communication, puis de motiver les apprenants aussi,
On a beaucoup insisté dans le micro-programme sur la motivation des apprenants, sur comment on pouvait susciter la motivation puis garder des apprenants motivés tout au long de la session. Peut-être que vous vous posez des questions à ce sujet-là, on pourra y répondre, tenter d'y répondre. Au niveau de l'interface et de l'utilisation de la technologie, évidemment, donc il faut essayer de faire ça simple et convivial, du soutien technique et pédagogique qui est offert. Donc, il faut toujours s'assurer d'avoir un soutien technique, donc des gens qui peuvent répondre rapidement aux questions des étudiants qui ont des problèmes techniques, mais aussi de donner une idée des délais pour les problèmes d'ordre pédagogique ou de contenu, donc dans quel délai les étudiants peuvent avoir des réponses. L'accessibilité, évidemment, et j'ai ajouté à ça l'évaluation du cours. Donc, je pense qu'un cours de qualité à distance, hybride ou même en présence aussi, c'est un cours qui prévoit une évaluation de son contenu et de son contenant pour pouvoir l'améliorer. Donc, c'est une façon de s'assurer de la qualité. Idéalement, c'est bon d'en discuter en équipe programme de ces critères-là, de voir comment vous pouvez déterminer vos priorités parce que évidemment en ce moment, on est dans une situation qui se rapproche de la situation d'urgence. Donc, c'est pas une situation où on peut prévoir à long terme, faire des prévisions. On a des choix à faire, parfois déchirants. Mais si on s'attarde en équipe programme à déterminer une chronologie des développements qu'on souhaite faire, puis de ce qu'on souhaite prioriser en termes de développement, en termes de qualité de la formation, ça peut être très utile. Donc, j'ai une autre petite question pour vous. Est-ce qu'il faut, oui ou non, consulter les étudiants pour améliorer le cours? Donc oui, vous êtes une majorité à penser que oui. Claude rigolait, mais je pense que c'était pour le plaisir. Donc oui, effectivement, c'est une bonne idée de consulter les étudiants. On peut le faire avant pour orienter le design pédagogique du cours ou le préparer. On peut le faire pendant, évidemment, pour permettre aux étudiants de signaler des problèmes et s'ajuster en cours de route. Mais on peut le faire aussi après pour évaluer l'expérience, préparer la prochaine version du cours, mais aussi pour prioriser en équipe les prochains développements. Donc, le fait d'évaluer, ça permet de soulever des problèmes auxquels on peut trouver des solutions et prioriser encore une fois. Dans le cadre du micro-programme adapté, même si on était dans l'urgence, j'ai tout de suite fait équipe avec un professeur qui est un professeur du domaine des sciences, Normand Boyer, qui lui était totalement contre la formation à distance, ça ne l'intéressait pas du tout avant la pandémie. Et aux surprises, il a dû s'y intéresser, puis il a décidé de saisir l'opportunité dans la crise, puis de transformer son cours de manière durable, c'est-à-dire de manière à ce qu'il puisse profiter de ses efforts même après la pandémie. Donc, c'est pas une solution temporaire qu'il cherchait. Donc, on a fait équipe. Lui révisait mes contenus pour me confirmer que c'était bien des contenus qui répondaient aux besoins. Et moi, je le guidais dans son virage vers la formation à distance. On a aussi fait un sondage des besoins relatifs à l'enseignement à distance pour sonder rapidement des utilisateurs. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont répondu à ce sondage-là en ligne en ce moment, je les remercie infiniment parce que ça m'a vraiment aidé, ça nous a aidé. Claude a fait partie de l'équipe qui a travaillé au micro-programme, Sophie aussi. Donc, ça nous a aidé à s'assurer d'avoir des contenus qui répondent aux besoins.
Donc, ce genre de sondage-là peut être fait en cours de session ou même rapidement pour vous permettre d'aller palper le pouls, d'aller voir de quoi les apprenants ont besoin. On a aussi, dans le microprogramme, adapté, donné la parole aux étudiants. Donc, on a fait un vox pop d'étudiants où différents étudiants nous ont donné leurs avis sur les questions suivantes. Donc, on leur a demandé de partager leur expérience avec ce qu'ils avaient apprécié, quels étaient leurs coups de cœur dans le virage, on va le dire un peu abrupt, vers la formation à distance. Mais j'ai choisi aujourd'hui de vous parler principalement de la dernière question qu'on leur a posée. Donc, on leur a demandé quel conseil, un seul, ils donneraient à des enseignants qui sont en train de se préparer à vivre une autre session à distance. Puis, sans avoir fait le microprogramme ou sans avoir de formation nécessairement en pédagogie, ils nous ont sorti ce qui ressort beaucoup dans la littérature et aussi dans les expériences. Donc, j'ai regroupé leurs conseils en trois différentes catégories, l'organisation, la communication et l'attitude. Donc, ce qu'ils vous recommandent, c'est d'organiser, donc de tout rassembler en une seule plateforme. C'est sûr que dans l'urgence, à l'hiver dernier, il y a eu des enseignants qui se sont tournés vers les plateformes avec lesquelles individuellement ils étaient le plus à l'aise. Mais on revient encore à l'idée de faire des choix d'équipe puis de tenter d'éviter de multiplier les outils technologiques. Donc, il conseillait aussi de se mettre à la place de l'étudiant. Donc, ça, c'est peut-être dans la préparation de la clarté des consignes, on y reviendra, mais de s'assurer que tout soit compréhensible et facilement trouvable, disons. Varier des méthodes et des médias, faire ça simple. De nombreux étudiants ont dit, moi je leur dirais d'aller au plus simple pour que ce soit plus facile et plus confortable. Parler à l'auditoire, donc s'adresser directement aux apprenants plutôt que de lire ou d'avoir des moyens un peu plus structurés et trouver un équilibre entre les activités, c'est quand même assez intéressant. Trouver un équilibre entre les activités très dirigées qui se rapprochent des exposés magistraux, par exemple, ou le fonctionnement en autonomie. Donc, il y a plusieurs étudiants qui nous ont dit qu'ils espéraient qu'après la pandémie, on pourrait en venir à trouver un équilibre entre les séances en classe plus dirigées et les moments où ils peuvent avoir un peu plus d'autonomie puis cheminer à leur rythme. Très important, évidemment, de fournir un calendrier, de préciser les échéances. Donc, au niveau de la communication, j'en ai déjà pas mal parlé, mais ils souhaitent pouvoir avoir des occasions de communiquer avec vous, d'avoir des périodes de disponibilité où ils peuvent avoir des discussions et interagir. Au niveau de l'attitude, des attitudes, les étudiants ont dit qu'il était intéressant de faire preuve de compassion tant envers eux qu'envers vous, en fait, parce que les étudiants ont démontré beaucoup de compassion et de reconnaissance envers les enseignants qui se sont tournés de bord rapidement, qui ont réussi quand même avec brio à terminer la session. Demeurer ouvert à la critique constructive puis accepter de s'ajuster en cours de route. Donc, en terminant, moi, je vous dirais que s'il y a deux messages à retenir, ce serait les suivants que je retiendrais. Donc, il faut toujours utiliser la technologie au service de la pédagogie et non l'inverse. Et il faut toujours aussi viser la cohérence pédagogique, donc se retourner vers les cibles d'apprentissage qu'on a formulées ou qu'on vise, faire des choix au niveau des contenus qui sont parfois déchirants parce qu'on a des enseignants qui ont beaucoup de contenus intéressants, mais qui doivent limiter un peu le nombre de diapos et le nombre de contenus pour s'en tenir aux cibles d'apprentissage qui sont visées dans ce cours-là.
et trouver des activités d'enseignement et d'apprentissage qui permettent effectivement de travailler, de développer les cibles d'apprentissage. Quand je parle de cibles d'apprentissage, ça peut être des objectifs ou ça peut être des compétences, dépendamment qu'on a un cheminement par objectif, par compétence. Finalement, d'avoir des activités d'évaluation des apprentissages qui permettent effectivement d'évaluer ce qui a été travaillé et développé, mais en fonction des cibles d'apprentissage qui étaient fixées. Donc, à ce moment-ci de la présentation, on va passer à une période de questions. Oui, merci beaucoup, Mme Savard. Donc, la première question que je vous poserai est en lien avec ce que vous venez de mentionner. Une des difficultés majeures que, je vais lire la question telle quelle, une des difficultés majeures que j'appréhende dans l'enseignement à distance est de pouvoir adapter mon contenu pédagogique en didactique du français à des logiciels qui permettraient véritablement de réaliser des activités, que ce soit des exposés, des ateliers, des comptes rendus de lecture, et qui se font plus facilement en mode présentiel. Est-ce que vous auriez des conseils à m'apporter? Bien, c'est une question qui est générale et spécifique en même temps, mais je vous dirais le premier conseil d'aller suivre la formation J'enseigne à distance. Il y a certaines pistes tant technologiques que pédagogiques qui sont données. J'aimerais pouvoir savoir quelle cible d'apprentissage. Avez-vous une cible d'apprentissage particulière à nous donner? Peut-être que ça va nous aider à... Peut-être en laissant le temps à cette personne de préciser sa demande. Oui, on peut peut-être prendre une autre question en attendant parce que la question est très large, je vous avoue. On a deux questions en lien avec le fait de sonder les étudiants par rapport aux cours. Donc, la première est de savoir, est-ce que le fait que les enseignants qui ont répondu associer les étudiants donc à la réflexion ont utilisé des techniques de type design thinking avec leurs étudiants? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que des gens qui ont utilisé associer... Qui ont utilisé des techniques de design thinking pour intégrer leurs étudiants dans la réflexion sur le cours? Il y en a certains qui l'ont fait, mais je dirais que la plupart avec qui j'ai interagi là, depuis l'hiver dernier, ils n'ont pas nécessairement suivi d'approche précise et structurée. Donc, ils ont tenté de se tourner de bord le plus rapidement possible. Mais oui, ça s'approche un peu du design thinking. Merci. Puis, de façon plus pratico-pratique, est-ce que dans la boîte à outils de la formation J'enseigne à distance, on retrouve différents outils pour créer des sondages avec nos étudiants et des façons de faire, comment bien les utiliser? Oui, normalement, on a répertorié des outils de sondage. Claude pourra le confirmer tout à l'heure, mais c'est principalement lui qui a travaillé sur la boîte à outils. Mais on a des outils de sondage. Effectivement, vous pouvez aller voir des outils de sondage qui permettent de sonder directement en ligne comme ce qu'on vient de faire, mais aussi des outils qui permettent de pouvoir profiter d'une certaine compilation des réponses pour faire une analyse assez rapide. Donc, les outils devraient être répertoriés. Merci. Puis, pour revenir à notre première question, donc, Mme Caba précise qu'elle travaille sur la formation à l'exercisation. Donc, si je reviens à sa question initiale, elle demandait en fait si quel logiciel permettrait véritablement de réaliser des exercices en ce sens qui se font plus facilement en mode présentiel sur la formation à l'exercisation. Est-ce que vous avez des idées sur cette question? La formation à l'exercisation, Sophie, Claude, peut-être vous pouvez m'aider parce que je vois pas, ça doit être des exercices pour pratiquer des règles de français ou des règles de grammaire. Il y a différents logiciels qui existent pour pouvoir faire ça en ligne et bénéficier de rétroactions immédiates en fonction des réponses qu'on a données aux exercices.
Donc, j'ai de la misère à comprendre, là, peut-être qu'on peut passer à une autre question, parce que j'ai vraiment de la misère à comprendre de quoi il est question au juste ici. Je sais pas, Sophie, Claude, si vous avez... non? Claude, on ne vous entend pas. Votre micro est fermé. En ce que je comprends de la question, c'est peut-être des exercices qui ont déjà été créés auparavant. Évidemment, il faut falloir les reproduire d'une façon numérique. Il existe plusieurs logiciels. Il y a des logiciels auteurs assez complexes qui permettent de faire ce genre de choses-là. Il y a des choses plus simples, comme un outil qui s'appelle H5P, qui est de domaine public, qui permet de faire des choses intéressantes. J'ai mis dans le chat le lien vers la boîte à outils, là, le lien vers un outil comme H5P. C'est dans la catégorie des logiciels de production et de diffusion par les enseignants. Je vais mettre le lien spécifique. Alors, là-dedans, vous allez trouver plusieurs exemples de logiciels qui permettent, dont certains, enfin, on essaie de mettre des logiciels gratuits ou accessibles pour la plupart, qui permettent de créer ces exercices-là. Maintenant, il y a aussi, évidemment, dans chaque environnement numérique d'apprentissage, les LMS, la plupart des institutions, vous en avez un, il existe déjà des outils d'exercice, de questions-réponses, qui permettent de faire un certain nombre d'exercices. Évidemment, ça dépend du type, là, pas nécessairement mathématiques, parfois il y a des limites. Lorsque c'est plus complet ou que la logique est un peu plus complexe, ben là, il faut recourir à ces logiciels spécialisés sur externe. Avec ce qu'on a de la question, je pense que c'est ce qu'on peut répondre pour le moment. Merci, Claude. Je dirais avec un autre type de question. Donc, cette fois-ci, comment faire de la rétroaction lorsqu'on enseigne à distance? Il y a différents moyens de faire de la rétroaction. Donc, ça peut être des rétroactions qu'on a à peu près programmées. Donc, on a des exercices auxquels on a inséré déjà des réponses en fonction des réponses à donner à l'étudiant en fonction des réponses que lui donne aux questions qui lui sont posées. Ça peut être textuel, mais ça peut être aussi des vidéos avec lesquelles on vient apporter une explication qui est plus en lien avec la réponse que l'étudiant a donnée. On peut donner de la rétroaction dans des forums de discussion, directement dans des travaux. Quand on corrige, on peut donner des pistes de réflexion en utilisant, par exemple, simplement l'outil suivi des commentaires dans Word. On peut planifier aussi des séances, des rencontres en Zoom ou avec d'autres logiciels qui peuvent permettre d'échanger avec l'étudiant un à un si on peut le faire, si le nombre d'apprenants à qui on s'adresse permet de le faire en petit groupe ou en grand groupe. Donc vraiment, il y a différents moyens d'offrir de la rétroaction à distance. Je dirais que j'ai l'impression que c'est même plus varié que ce qui peut se faire en présence. Peut-être ajouter, Isabelle, qu'il y a un segment du module évalué qui porte sur la correction et la rétroaction numérique. Et il y a aussi une section complète de la boîte à outils sur les outils de correction et de rétroaction numérique. Je l'ai mis dans le chat. Vous allez voir, là, il y a des c'est classés par rétroaction audio, vidéo, textuel, etc. Donc, beaucoup de possibilités. Puis, si vous allez voir les tutoriels, vous allez voir des enseignants qui démontrent comment les utiliser, là, comment faire la rétroaction, comment insérer les rétroactions dans des documents qu'on retourne, etc. Donc, ça va vous donner probablement plusieurs exemples de façon de faire. Sophie? Oui, ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que l'important, c'est de faire une rétroaction tout court, puis par exemple, dans des travaux où un étudiant aurait 100%, okay, la rétroaction est importante aussi. Juste pour susciter une zone de communication, là. Donc, j'ai corrigé ton travail, tu as eu un très bon résultat, bravo. On crée une zone d'échange, là, et parfois l'étudiant va répondre. Ça peut être un simple courriel, là.
Moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'étais très peu technologique. Il y a différents moyens technologiques d'installer de la rétroaction. Ça peut être un simple courriel, là. Des moyens aussi très, très, très simples. Là. Fait que moi, j'aurais à dire, même si on n'est pas à l'aise avec les différents outils ou qu'on n'a pas le temps, mais une simple rétroaction, même si ce n'est pas pour dire grand-chose, parfois ça fait toute la différence parce qu'on peut se rendre compte qu'on installe une communication avec un étudiant anxieux, un étudiant qui a quelque chose à dire et qui n'a pas trouvé le canal pour le dire. Donc, c'est tout ce que j'avais ajouté là-dessus. Le téléphone, des fois, ça peut être très utile aussi. Tout à fait, ça existe encore. Oui. Peut-être qu'on peut prendre une autre question, Karine. J'aimerais savoir, pas moi, mais en fait, une question, ça intéresse à savoir s'il y a des statistiques sur le degré de satisfaction entre la formation asynchrone comparativement à la formation synchrone. Des statistiques avec des travaux de recherche documentés, je ne suis pas certaine qu'il y en ait. À mon avis, on va en voir apparaître dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce qu'il y a pas mal de chercheurs qui vont se pencher sur l'expérience qu'on est en train de vivre. Je sais, Claude, toi, tu avais préparé un graphique sur la satisfaction des étudiants dans le cours. Peut-être que tu peux nous en parler un peu, ou tu le souhaites. Ben je vais le présenter tout à l'heure, mais si on est spécifiquement synchrone versus asynchrone, moi, j'ai pas vu beaucoup d'études, effectivement, discriminatoires là, sur les différents modes, bien que le synchrone existe depuis un certain temps, peut-être depuis, existe depuis très, très longtemps, si on intègre la vidéoconférence là-dedans, mais la visioconférence, ça fait peut-être une vingtaine d'années, puis de façon plus large, c'est peut-être depuis une dizaine d'années. Il y a pas encore de statistiques très émergentes là, par rapport à ça. Mais ce qu'on sait, c'est que les étudiants aiment le contact, ça c'est sûr. Je peux peut-être ajouter, au Collège d'Allemagne, on a réalisé une étude là-dessus. C'est pas une recherche scientifique, donc on peut pas parler de statistiques. C'était quand même une recherche... c'était plus une étude là, subventionnée par le comité des partenaires du marché du travail. Et c'était vraiment, puisque nous, on avait des groupes, nous autres, c'est dans les programmes techniques d'ASC, on avait des groupes en synchrone qu'on a basculé en asynchrone et on les a sondés. Puis on avait aussi des gens, on avait d'autres cohortes aussi là, complètement qui se démarraient en asynchrone qu'on sondait. Et... le niveau de satisfaction des gens qui passaient, qui étaient déjà dans des programmes synchrones, donc directs, et qu'on basculait en asynchrone, ça a été très surprenant de voir comment les gens étaient, la majorité ont préféré l'asynchrone. Tantôt, je vais en parler, là, quand ça sera ma partie, vous allez comprendre un peu pourquoi. Mais souvent, c'est parce que les enseignants essayent de faire du synchrone comme s'ils étaient devant une classe, donc ils n'adaptent pas du tout leur enseignement au fait qu'ils sont en ligne. Alors qu'en asynchrone, ça force les enseignants à prendre des mesures pour communiquer autrement, soit dans des forums, soit dans des vox pop, des choses comme ça. Et finalement, le taux de satisfaction pour nous, dans le cadre de notre étude, encore je rappelle qu'on n'est pas dans une étude statistique large là, en canadien, là. C'était sur nos groupes à nous, avec bien sûr quand même un protocole rigoureux de répétition et tout ça, mais quand même, on n'est pas dans une recherche universitaire, là. Mais les résultats étaient quand même très marqués, puis les gens étaient satisfaits. D'ailleurs, on est passé en asynchrone, nous, dans la plupart de nos programmes. Et c'est des programmes techniques en agriculture, donc très appliqués. Donc, c'était quand même surprenant. C'est une question de design pédagogique, fait qu'on va y revenir tantôt, là. Je vais vous parler de ça un peu tantôt. Je pourrais juste ajouter un élément rapidement, en tout cas qui intervient, qui est très, très important quand on parle de satisfaction des étudiants, c'est si les étudiants ont eu le choix ou pas du mode en question. S'ils n'ont pas eu le choix, se voir imposer quoi, vous pouvez être sûr que les étudiants vont exprimer une certaine insatisfaction, par défaut, je dirais. Mais, donc, c'est assez difficile d'isoler toutes les variables lorsqu'on sonde ces aspects-là. Mais tu sais, c'est vrai pour nous aussi, quand on se fait imposer des choix, on est toujours moins coopérant, disons, que quand on participe aux choix. Donc, d'où encore l'importance de consulter les étudiants pour leur donner l'impression ou vraiment prendre en considération ce qu'ils pensent. Moi, je peux compléter en disant que ce que j'ai entendu, ce qui m'a été rapporté souvent,
c'est que quand les parties asynchrones nécessitent beaucoup plus de travail de design pédagogique, donc de réflexion, puis sont souvent considérées comme étant plus efficaces dans l'atteinte des cibles d'apprentissage que une partie synchrone qui pourrait être plus longue et moins structurée en fonction des cibles, disons. Si on considère les derniers commentaires de Mme Gagnon et Mme Savard, peut-être que ça vient répondre à la question suivante. Donc, comment développer des activités de formation à distance qui soient pérennes, considérant le temps à investir pour le développement ou la mise à jour est plus élevé que pour un cours en présence? Donc, est-ce que vous iriez davantage vers le développement d'activités asynchrones qu'on peut répéter d'un cours à l'autre ou adapter d'un cours à l'autre? C'est sûr que quand on investit du temps, on veut essayer de faire en sorte que ça puisse nous rapporter. Les parties qu'on met en asynchrone, qu'on travaille asynchrone, en général, peuvent être bonnes. C'est sûr que ça dépend toujours du sujet qui est enseigné, parce que quand on enseigne les technologies, par exemple, ça évolue quand même assez vite. Donc, il faut faire des mises à jour plus en profondeur, plus régulières. Pareil, avec un contenu qui traite de l'histoire, donc peut-être qu'il y a des contenus qui sont un peu plus stables. Mais il faut toujours s'assurer de pouvoir faire des mises à jour facilement. Donc, de faire des choix technologiques qui vont nous permettre de pouvoir aller faire des mises à jour sans devoir tout refaire l'ensemble des parties. Donc, je pense que c'est la meilleure façon d'assurer la pérennité des contenus qui sont développés de manière asynchrone. Je suis d'accord avec Isabelle. Le truc que je donne à mes enseignants, c'est que on peut encapsuler là, facilement, faire une capsule avec un principe théorique. Tu sais, si j'explique l'hypoténuse, ça va être la même affaire d'année en année, là. Il faut faire attention pour exclure toutes les notions temporelles, parce que des fois, c'est intéressant aussi de discuter avec les étudiants d'un fait d'actualité, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, moi, dans les cours, je recommande de faire une partie les mises à jour ou discussions de la semaine quand on est en asynchrone, là, et les capsules formelles. Puis ça, quand on fait les capsules formelles qu'on sait qu'on va réutiliser d'année après année, bien, on épure et on y va avec un concept très court, comme Isabelle dit, pour pouvoir faire des mises à jour si nécessaire ou s'y retrouver. De toute façon, une capsule, il est recommandé que ça ne dure pas plus que 15 minutes. Puis je dis même que c'est long des fois. Mais fait qu'on encapsule les concepts théoriques qu'on sait que d'année en année, ça va changer le moins possible. Et tout le reste, pour ajouter un peu de dynamisme, ben, on fait des capsules plus informelles qui, elles, on peut les changer à chaque année. Claude, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ah non, ben j'allais dans le même sens. Moi, mon expérience, c'est que ayant accompagné beaucoup d'enseignants, là, dont c'était la première expérience en formation à distance, la grande majorité m'ont dit écoute ce que j'ai fait pour mon cours à distance, parce que souvent ils s'occupaient de plusieurs sections, ben je le rentabilise dans mon cours en classe, là, je réutilise tout ce matériel-là. C'est comme automatique que les enseignants qui travaillent sur du matériel veulent effectivement optimiser ça, puis éventuellement s'en resservir. Donc oui, il faut penser à ça. On sait que le temps est absolument compté chez les enseignants, puis probablement de ce temps-ci, c'est un peu fou parce qu'on a beaucoup de choses à faire, à modifier. Donc, effectivement, il faut essayer de planifier en fonction d'une rentabilisation le plus possible. Merci beaucoup. Nous avons une question concernant une des premières acétates qui a été présentée, diapositive. Vous avez présenté un parcours hybride à l'intérieur duquel on retrouve des sections asynchrones, synchrones et la classe virtuelle synchrone. Est-ce qu'il y a une différence entre la section synchrone et la classe virtuelle synchrone? Ou quelle différence faites-vous? En fait, la classe virtuelle synchrone est un des moyens qu'on peut utiliser pour... c'est un type d'activité synchrone. Donc, on a dans ce cheminement-là précisé qu'il y avait une certaine régularité dans les classes synchrones, comme par exemple Normand, vous voyez, avec qui je travaille. Lui, il a décidé de mettre des classes synchrones à
toutes les deux semaines. Donc, à toutes les deux semaines, les étudiants se présentent. Puis, tout le monde est présent pour une classe virtuelle synchrone, mais tout le reste est en asynchrone. Donc, c'est vraiment un cheminement qui était présenté comme ça, là, qui précisait un type d'activité. Si je peux me permettre, l'expression « classe virtuelle synchrone » est un petit peu biaisée, là, parce qu'elle laisse entendre que c'est nécessairement, c'est comme un équivalent d'une classe réelle, mais tout le monde ensemble en synchrone. Bon, le synchrone peut être fait aussi avec un petit groupe, on est encore en synchrone, peut être fait au moyen de Skype, on est encore en synchrone. Mais c'est l'expression qui a comme pris le dessus pour dire comme synonyme de cours en visioconférence. Hein. C'est des synonymes là dans le langage courant. On pourrait discourir sur effectivement est-ce que c'est nécessaire de faire absolument, de reproduire absolument une classe réelle en synchrone. C'est peut-être une autre paire de manches, mais actuellement on les utilise pas mal comme des synonymes dans le langage, en tout cas en français québécois. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vois le temps qui file. Il y a différentes questions qui traitent plus d'une discipline ou d'une stratégie pédagogique à mettre en place pour une activité précise. Est-ce que vous pensez répondre à ce type de questions-là au cours des deux prochaines sections? Oui. Bien, en fait, toutes les questions qui ont été posées pourront être reprises aussi. Donc, on a deux autres périodes de questions où on va pouvoir interagir les trois et puis continuer de répondre aux questions qui ont déjà été posées ou en prendre des nouvelles. Okay. Alors, je vous laisserai peut-être continuer pour tout de suite avec la deuxième partie. Oui. Donc, pour cette partie-là, je joue la fée Clochette. Je vais fermer mon micro. Oh, OK. Je savais pas qu'on avait retenu mes questions. OK, c'est bon. Selon vous, est-ce qu'un cours qui a pour but d'amener les étudiants à assurer la qualité des fruits dans un verger, OK, ça serait comme la cible de formation, assurer la qualité des fruits dans un verger, donc on est dans un programme pratique, là, collégial, est-ce que ça peut se donner entièrement à distance, ce genre de cours? Est-ce qu'on a toutes les réponses? Ça rentre encore avec un bon flux. (rire) 55% oui, 45% non. Je ne sais pas si on en discute. OK, on est tout de suite sur ma mise en situation. C'est sûr que nous, historiquement, on le faisait, donc c'est un cas réel là, qu'on a vécu avec nos programmes. Comme je disais, on a des programmes en agriculture, on a aussi un programme d'enquête et investigation qui se donne de cette façon-là. Nos programmes sont hybrides. Alors effectivement, on palliait avec des ateliers terrain, historiquement, là, qui nous permettaient de faciliter un peu la transmission de l'atteinte de ces compétences-là. Dans un contexte où c'est impossible, comme par exemple cette année, c'est beaucoup plus difficile avec la COVID, ben faut le faire pareil. T'sais. Et il y a des moyens de faire. On a expérimenté le synchrone d'abord. Là, je vais vous parler un peu de notre expérience de synchrone, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'on a des programmes qui roule quand même depuis plusieurs années. Celui-là, quand on parle des vergers, là, il y a quelques années, on est à la troisième cohorte. On a des programmes qui tournent en ligne là, depuis une dizaine d'années. Donc, au début, on a expérimenté le synchrone. On peut peut-être aller à l'autre diapo après. Je sais que les programmes techniques, pratiques comme ça, ça n'intéresse pas toute l'auditoire, mais les concepts clés que je vais amener sont transversaux, là. Là, je fais référence au pire des cas, là, une compétence très, très, très pratico-pratique, mais c'est pour amener des messages clés qui s'appliquent à tout le monde et parler de notre expérience aussi de synchrone et asynchrone. Donc, juste parenthèse en passant, quand je parlais tout à l'heure de notre passage à l'asynchrone, on a réellement pris un groupe d'étudiants engagés dans un programme synchrone.
et on les a basculés pendant leur programme en asynchrone. Okay? C'est juste une petite parenthèse pour revenir sur tout à l'heure. Et on a réussi à avoir un bon taux de satisfaction quand même. Donc, il y a moyen de faire les choses pour que ce soit bien fait. Les enjeux qu'on rencontrait avec le synchrone, on a vu tantôt votre expérience du synchrone. Je pense que tout le monde l'a essayé. On peut peut-être dérouler tous les points en même temps, s'il vous plaît. C'est sûr, quand on a peu de temps, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est prendre notre cours de 2-3 heures qu'on est habitué de donner en présence ou sur le terrain et de le donner en synchrone là, sur Zoom ou sur Teams ou peu importe. Quand on n'a pas le temps, c'est ce qu'on fait. On sait que lorsqu'on est devant un groupe, on a plusieurs objectifs. On va passer de la théorie, on va en profiter pour faire un exercice, on va écouter les questions, on va discuter, on va faire beaucoup de choses lorsqu'on est devant un groupe en classe. Alors, lorsqu'on est devant l'écran, on va s'imaginer un peu qu'on va être capable de faire la même chose parce qu'on est en direct, on est en synchrone. Donc, on devrait être capable d'entendre des questions, d'échanger, d'avoir des rétroactions, de laisser du temps pour faire les exercices et tout ça. On sait très bien qu'en réalité, c'est pas si facile que ça. Donc, les enjeux qu'on rencontrait souvent, c'était les problèmes de micro, de caméra. Donc, idéalement, il faut que tout le monde puisse intervenir. Et ce n'est pas le cas pour différentes raisons, même si on l'oblige. Souvent, il va y avoir des problèmes de bande passante. Il ne faut pas oublier, dans des régions comme la mienne, ce n'est pas tous les secteurs qui ont la haute vitesse. Alors, on va être obligé de fermer des caméras. Donc, on a différentes problématiques techniques qui font que ben, sur un groupe de 20-25 personnes, c'est rare qu'on ait tout le monde là, qu'on peut regarder et échanger ouvertement. Il va y avoir un haut pourcentage d'absentéisme aussi, surtout lorsqu'on offre le cours en rediffusion par la suite. Des fois, on offre la possibilité de pouvoir réécouter par la suite. Alors, à ce moment-là, on se rend compte que ben on se retrouve avec 4-5 étudiants en direct. Ça arrivait souvent également. Le fait aussi que souvent, il y a peu de personnes qui s'impliquent sur un groupe encore là de 25 personnes. Ben on s'imagine pouvoir échanger, mais c'est toujours les mêmes personnes, vous l'avez sûrement remarqué, qui interviennent. Ça, c'est les principaux enjeux qu'on rencontrait. Il y en a bien d'autres. On s'est dit, on va essayer l'asynchrone et donc, comme je disais, d'encapsuler la théorie et le reste, nos objectifs d'interaction, nos objectifs de rétroaction et tout ça, on va essayer de trouver des activités complémentaires. Donc, ça m'amène sur mes trois concepts clés que je voulais vous aborder avec vous. Donc, le choix du mode de diffusion. Alors, un synchrone, oui, lorsque le but est vraiment d'échanger. Alors, OK, ce soir, on se connecte une heure et on échange sur telle activité qu'on vient de faire, tel travail qu'on vient de faire. On fait une séance de questions-réponses ce soir. Alors, tout le monde se connecte et le but est d'échanger. Alors là, oui, le choix du média est correct. Le but est de passer de la théorie et d'expliquer l'hypoténuse ou le débit-crédit dans un cours de comptabilité. Oui, ça, je peux l'encapsuler. Alors, le choix du mode de diffusion en fonction vraiment de ce qu'on veut faire. Je veux échanger, alors, est-ce que je fais un synchrone? Est-ce que je fais un forum de discussion? Il y en a une panoplie. On y va avec le choix en fonction de ce qu'on veut faire et la cible de formation. Ça m'amène au deuxième point, le choix d'activités variées. Donc, les étudiants vont aimer mieux faire plutôt que de se connecter pour 2-3 heures pour faire une panoplie de choses comme des exercices, écouter de la théorie, échanger. Ça fonctionne plus ou moins dans une séance de 2-3 heures en direct. On est mieux d'avoir une multitude d'activités. OK, j'ai un travail à faire. Je participe à une séance d'échange d'une heure dans ma semaine. Alors, une variété d'activités comme ça et d'être plus ciblé dans ce qu'on veut faire. Et finalement, mon troisième concept clé, là, c'est vraiment, ça, c'est l'observation qu'on a fait parce que nous, on a largement sondé nos étudiants au cours des années en synchrone et en asynchrone. On fait les deux présentement, là, nos programmes sont tous hybrides. Donc, on fait autant de synchrone que d'asynchrone que d'ateliers terrain quand c'est possible. Mais dans tous les cas, dans les programmes à distance, la plupart des enjeux, je dirais 90% des problématiques qu'on rencontre avec les étudiants, part d'un problème de clarté. Donc, l'anxiété des étudiants s'installe quand les consignes de travail, par exemple, ne sont pas claires. Alors, faire une capsule ou une séance synchrone juste pour expliquer les consignes d'un travail, ça peut valoir la peine et diminuer de beaucoup l'anxiété. Faire un modèle de travail selon ce qu'on attend vraiment de l'étudiant.
ça peut être une bonne idée aussi. Être clair également dans ses canaux de communication, en début de session, en début de cours, de dire « moi, je vais communiquer de telle façon avec vous. Si vous avez des questions, utilisez tel média, utilisez soit le clavardage sur Moodle, le courriel, peu importe votre méthode, mais il faut être clair avec les étudiants sur la façon de communiquer. Et puis, communiquer clairement les attentes aussi et le plan de travail. Puis là, ben, je vais vous référer à mon jeune de 7 ans qui est au primaire en deuxième année. Je regarde son plan de travail là, de la semaine, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Dans mes groupes, c'est des adultes et j'ai besoin de faire exactement un plan de travail au pas à pas, très très clair sur les attentes. Cette semaine, vous avez ça à lire, telle capsule à regarder, une séance synchrone tel soir. Clair, clair, clair dans le plan de travail au quotidien, à la semaine même. Et ça va éviter bien des soucis. Fait que là, je sais que je déborde un peu sur d'autres... je regarde un peu Isabelle, je sais que c'est traité, l'accompagnement est traité dans un autre volet, mais c'est indissociable de votre planification de cours aussi. Donc moi, c'était mes troisièmes. J'aurais pu passer 2 heures, je sais que je suis allée vite, là, puis j'ai peut-être escamoté des parties, mais je suis ouverte là, aux questions s'il y a des choses à préciser. Ah, OK, je pose une autre question moi avant. OK, quel est le meilleur moyen de s'assurer que les étudiants comprennent bien la séquence d'activités à réaliser dans le cours, selon vous? Un forum de discussion, une rencontre virtuelle synchrone, un sondage éclair ou autre ou toutes ces réponses. Forum de discussion, on a 5%. Rencontre virtuelle synchrone, on a 17%. Sondage éclair, 12%. Autre, 4%. Toutes ces réponses, 61%. J'aurais tendance à dire que tous les moyens sont bons. Sondez également sur vos moyens. Donc, n'hésitez pas à la poser la question. Est-ce que mes moyens que j'utilise sont bons? C'est les étudiants qui vont vous le dire. Moi, je suis fortement pour ça. On en parlait tantôt, sonder. C'est comme ça qu'on s'ajuste tout au long du parcours. Là. Je ne sais pas, Isabelle, toi, si tu avais, ou Claude, si vous aviez quelque chose à ajouter par rapport à cette question-là. Moi, j'aurais envie d'ajouter, excuse-moi, Isabelle, j'ai un collègue, s'il y avait une formule assez drôle, il dit, moi, j'utilise la technique du bombardement. Quand je veux qu'un message passe, j'utilise tous les moyens, le message de nouvelles sur le site web, la première page du site web, le forum de discussion, puis même si je veux vraiment qu'il parle, j'envoie un courriel à tout le monde. Mais ça peut être aussi simple que de mettre un sondage éclair. Il y a des plateformes qui permettent de mettre une question une journée, le lundi matin, disons, pour savoir est-ce que tout le monde sait ce qu'il y a à faire cette semaine ou êtes-vous rendu là où vous devriez être rendu ou avez-vous besoin d'une classe virtuelle synchrone pour qu'on puisse discuter de questions cette semaine? Donc, on peut les sonder rapidement comme ça, puis ça, c'est anonyme où on peut avoir des questions où on veut avoir les noms des étudiants pour pouvoir intervenir individuellement. Mais ouais, j'aurais tendance aussi, peut-être, la technique du bombardement est peut-être un peu intense, mais de dire tous les moyens sont bons, c'est vraiment de voir lequel avec lequel vous êtes le plus à l'aise, puis lequel va vous apporter les réponses que vous cherchez. Oui, je suis d'accord aussi que ça prend au moins 2 méthodes. Si vous utilisez la rencontre virtuelle synchrone, ça vous en prend une autre. Parce que c'est pas tout le monde là, qui va transmettre ses interrogations et ses inquiétudes en groupe. Là, ça c'est clair. Donc, ça prend à ce moment-là une autre méthode. Mais moi, je dirais là que la clé, c'est d'être disponible. Si vous répondez lorsqu'une question est posée, si vous donnez de la rétroaction, si vous êtes disponible, il n'y aura pas de problème. La clé, c'est vraiment d'être disponible, peu importe la façon dont vous allez sonder les étudiants. Là,
Le forum de discussion peut aider aussi parce que des fois, les étudiants entre eux peuvent se répondre, puis l'enseignant peut venir intervenir si besoin, mais des fois, comme ça, tout le monde peut s'entraider dans un forum de discussion, ça peut être intéressant. Tout à fait. Donc là, on est prêt à passer à une autre période de questions. Peut-être qu'on peut se donner un 10-15 minutes. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles questions, mais je vais essayer de rassembler les dernières là, qui étaient peut-être un petit peu plus disciplinaires ou très précises. Donc, j'irai dans un premier temps sur comment favoriser l'interactivité dans un cours synchrone. Question plus générale qui se décline aussi lorsque les étudiants peuvent être préférés d'avoir la caméra fermée ou même ne pas avoir la possibilité, on l'a nommé tout à l'heure, là, ça peut être une contrainte technologique de ne pas pouvoir ouvrir leur caméra. Donc, comment favoriser cette interactivité-là synchrone à travers une plateforme de visioconférence si on ne se voit pas? Je peux débuter, là, sûrement mes collègues vont compléter. Moi, je dirais... En disant de déconstruire le cours un peu, lorsqu'on est en présence, on va avoir tendance à donner notre théorie là, et ensuite passer à des travaux, des exercices pratiques. Déconstruire dans le sens que s'il y a de la théorie à passer, c'est souvent le cas, mais en passer un petit bout et à place d'avoir un questionnaire de 10 questions ou un exercice très long à la fin, bien, de le sectionner et de faire passer les étudiants à l'action régulièrement à l'intérieur du cours. Alors, s'il y a des concepts théoriques à donner, oui, mais pas pendant une heure. J'avais eu des questions préalablement aussi qui m'avaient été posées. Je peux peut-être répondre à une en cours de route parce que ça concerne ça. Hein. La question, c'était c'est quoi la durée idéale d'une séance synchrone? C'est dur à dire lorsque les activités sont variées puis si les étudiants sont amenés à faire différentes choses pendant le cours, ça peut être plus long, là. Où est-ce qu'il ne faut pas aller, c'est dans le théorique très long, puis là, je n'irai pas jusqu'à dire une durée, mais quand on parle de capsule asynchrone, c'est un 15 minutes d'attention, ça, c'est largement documenté. Donc, on peut penser que ça ressemble à ça même en synchrone lorsque vous êtes en magistral en train de passer de la théorie. Donc, moi, j'irais en sectionnant, en fragmentant les activités pour varier. Puis là, ben, je vais laisser mes collègues compléter, vous avez sûrement plein d'autres choses à dire aussi. Tu j'aille, Isabelle, ben pour ce qui est du synchrone, en fait, la web caméra, certains trouvent qu'elle est indispensable, d'autres jugent que ce n'est pas absolument nécessaire. Donc, à micro fermé, on peut avoir, pas à micro fermé, mais à caméra fermée, on peut avoir de l'interaction. Même à micro fermé, là, vous interagissez un peu, mais évidemment, c'est un peu plus limité. Mais si on veut favoriser la prise de la parole, ben d'une part, on peut, il y a l'aspect ludique, là, on peut essayer de forger certains sans nécessairement les appeler des jeux, des tournois, des débats. C'est quelque chose qui peut se préparer de la même façon qu'on le fait dans la classe virtuelle. J'ai donné longtemps des formations sur l'utilisation des classes virtuelles. Puis la formule débat, opposition d'idées, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui va passionner les gens. On n'est pas obligé de voir les gens pour faire ça. Il suffit d'avoir un animateur qui va donner les droits de parole de façon, disons, assez bien menée, là. Et puis ça va très bien fonctionner. Une autre façon qui est un peu plus intrusive, c'est d'imposer la prise de parole, c'est-à-dire que vous demandez à vos étudiants de préparer quelque chose à présenter d'une rencontre à l'autre, ou de, par exemple, d'être attentif à une présentation que l'enseignant va faire et de s'attendre à ce que l'enseignant va vous poser une question ou demander à un étudiant de poser une question. Alors, c'est une façon de faire qui force l'interaction. Laissez-moi vous dire que les étudiants sont attentifs, même s'il n'y a pas de la caméra n'est pas nécessairement ouverte. Quand ils savent qu'ils sont susceptibles de se voir poser une question ou de devoir poser une question à leurs collègues. Alors, voilà deux suggestions rapides. Oui, il y a ça, puis il y a aussi par exemple, moi, j'amenais les étudiants à faire des présentations orales dans des séances synchrones. Donc, il y avait des parties de présentation à faire, puis les collègues qui assistaient à la présentation devaient émettre des commentaires constructifs ou poser des questions à la fin. Donc, ça aide à retenir l'attention pendant.
ça varie un peu le tour de parole. Sinon, vraiment, tout ce que Sophie et Claude ont dit, moi, je l'appuie à 100%. C'est vraiment d'éviter les longs exposés magistraux en ligne. De toute façon, vous avez vécu plusieurs réunions là, à distance jusqu'à maintenant. Je suis certaine que vous comprenez ce qu'on dit quand on vous dit qu'il y a un sentiment de fatigue qui s'installe et qui devient difficile de suivre encore les exposés. Donc, d'alterner comme ça en différents, d'offrir des moments où les étudiants peuvent parler. Ça, quand je les ai sondés, quand j'ai fait mes entretiens avec les étudiants, ils m'ont tous dit qu'ils avaient beaucoup apprécié d'avoir des occasions où ils pouvaient tous se voir. Pour ce qui est de la caméra ouverte, fermée, je pense que vraiment, c'est à vous de décider. Il y en a qui préfèrent avoir les photos, puis seulement l'intervenant qui parle, qui allume sa caméra. Il y en a d'autres qui ont l'impression de parler à un mur quand ils n'ont que des photos ou des noms devant eux. Donc, c'est vraiment de voir, vous, quand vous faites votre exposé, aimez-vous mieux voir les apprenants en vidéo ou ça vous déconcentre parce qu'ils vont bouger, parce que vous allez voir un chat passer ou il peut arriver toutes sortes de choses quand la caméra est ouverte. Donc, voilà. J'avais peut-être une autre petite chose à ajouter que j'ai oublié tout à l'heure parce que j'ai comme passé la question où est-ce que les gens ont dit en grande... Il y avait un gros pourcentage qui disait que c'était pas possible les cours plus pratiques, là, les données à distance. Là. Et ça complète aussi cette question-là, c'est qu'on peut faire travailler les étudiants aussi et c'est eux qui amènent la matière lors des séances synchrones. Ça va permettre aussi beaucoup plus d'intérêt de la part des étudiants. Pour ce qui est de nos programmes dont je parlais tantôt et la compétence, par exemple, d'assurer la qualité d'un fruit, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait faire un travail dirigé. Donc, étant donné que nous, on ne pouvait pas aller sur le terrain avec les étudiants pour faire des observations, manipuler des fruits, récolter, observer le fruit, comme on l'aurait fait habituellement, bien, on a bâti un cahier de travail dirigé, tout simplement, que l'étudiant suivait. Donc, tu dois aller dans un verger quelque part, toi seul, tu dois prendre des photos, récolter un fruit, l'observer, regarder ses caractéristiques. On allait plus loin que ça, évidemment. Pendant une séance synchrone, là, les étudiants amènent leurs observations. Donc, ils ont le droit de se tromper, là, ils ont le droit de faire plein d'erreurs. Mais c'est eux qui amènent un peu de l'eau au moulin. Et l'enseignant va amener la théorie à l'entour de ces observations-là que les étudiants vont avoir faites. Puis là, eux, ils vont avoir beaucoup plus de questionnements aussi. Alors, c'est plus facile de susciter des interactions dans un cours synchrone à ce moment-là, plus qu'à partir de PowerPoint ou de théorie que vous allez vous-même amener. Là, bien sûr, ça concerne les cours plus pratiques, là. Donc peut-être pas tout le monde, mais je pense que pour ceux qui en ont, ça pourrait peut-être être apprécié d'avoir ce genre de trucs. Et ce qui est vraiment intéressant dans cet exemple-là, Sophie, on en a déjà parlé, mais juste pour le bénéfice de tous, c'est qu'avant, les étudiants avaient accès à un cas, donc ils allaient observer le même verger, le même terrain, tous ensemble. Maintenant, les étudiants ont accès à plusieurs cas, donc à plusieurs terrains qui sont ramenés dans l'environnement virtuel. Donc, ça augmente la richesse des contenus, je pense. Ça fait plusieurs terrains, plusieurs systèmes aussi pour les programmes plus technologiques où est-ce qu'on va travailler avec des systèmes dans différentes entreprises, là, des technologies. Donc, ils varient d'une entreprise à l'autre. Ça peut être très intéressant aussi que les étudiants aillent expérimenter. Et là, on va discuter alentour des différences entre les différents systèmes, des systèmes de gestion, peu importe là, selon le type de programme. Donc, effectivement, ça enrichit beaucoup les discussions dans les cours techniques collégiaux. Donc, peut-être qu'on peut prendre une autre question, Marie-Michel. Oui. Donc, je vous remercie pour ces précisions qui recouvrent certaines questions là, qui étaient sur justement comment on peut transposer tout l'apprentissage pratique, l'évaluation des apprentissages pratiques dans un contexte à distance. Donc, je pense que vous y avez bien répondu. La prochaine question irait sur quelles suggestions, quelles recommandations vous avez pour moduler ce qu'on vit
lorsqu'on est en présence, par exemple, un 70 minutes de cours ou un 3 heures de cours selon le niveau auquel on peut être. Comment on module ça lorsqu'on est à distance? Moi, ce qu'on a conseillé dans le micro-programme, en fait, c'est vraiment de segmenter les parties de contenu. Sophie en a parlé un peu tout à l'heure. C'est d'essayer d'éviter, puis moi je dis, oubliez votre cours en présence. D'essayer de penser à comment ça peut se faire à distance, mais en tentant d'alterner beaucoup plus entre des activités et des périodes plus passives. Donc, ce serait ça mon principal conseil. Puis, est-ce que vous diriez qu'on doit, si c'est un 3 heures, on doit reproduire 3 heures qui peut être échelonné dans le temps ou est-ce que ces mêmes règles de temps s'appliquent à distance? Ben, en fait, ça, on est tenu de... Tu sais, il y a des règles dans les universités, les cégeps, qui font qu'un certain nombre de crédits égale un certain nombre d'heures. Donc, ça, il faut demeurer fidèle à ça et continuer de respecter ce ratio d'heures-là. Mais je ne dirais pas que 3 heures d'exposés magistraux dans un cours en présence doit absolument se traduire par 3 heures de passivité à l'écran dans un cours à distance. Au contraire, je pense que c'est ça, il faut le segmenter, donc choisir des portions de contenu qui vont être plus pertinentes pour des parties plus magistrales où l'apprenant peut être plus passif. Puis même dans des capsules, il y a moyen d'ajouter un peu d'interactivité, d'ajouter des façons de rendre l'étudiant participant, disons, puis d'alterner avec des exercices. Donc non, la conversion là, au niveau des exposés magistraux, je ne la ferai pas directement, mais j'aurais tendance à conseiller de réduire le temps passé en exposé. La question là, de la pondération, elle revient tout le temps lorsque j'ai un nouvel enseignant à distance. La première question, c'est toujours, mais c'est ça le nombre d'heures. Mais sur un 3 heures, disons, qui est normal, un 3 heures, disons qu'un cours de 45 heures divisé en disons, 3 heures par semaine, donc c'est 3 heures de travail, ça représente 3 heures de travail pour l'étudiant accompagné par l'enseignant. Puis, comme Isabelle le dit, on y va avec une pondération. Donc, si normalement c'est un 2 heures de théorie, 1 heure de pratique, bien, il faut que le ratio soit l'équivalent. Mais moi, tu sais, un cours où est-ce que je prends une heure pour présenter un concept théorique en classe, si je le réduirais dans une capsule, ça peut prendre 15 minutes. Mais en classe, on a des questions, on a des pauses pour telle raison, il y a différentes choses qui se passent, donc ça peut prendre au total une heure. Ça reste que on peut donner des lectures, on peut donner différentes activités de nature théorique pour un même ratio d'heures. Donc, Ben, ce que je pourrais dire, c'est que en fait, ce débat-là, il a beaucoup été discuté à l'Université Laval, puis si on était comme pris avec ces chiffres-là qui ne voulaient plus dire grand-chose en formation à distance asynchrone. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est plutôt le nombre d'heures totales d'activités d'apprentissage. C'est ça, au bout du compte, qui fait foi. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de temps d'enseignement, évidemment, nécessairement équivalent en présence d'un étudiant, mais ça ne veut pas dire pourtant qu'il n'y a pas d'enseignement, parce que tout ce que vous avez préparé comme matériel, c'est de l'enseignement incarné, intégré dans le matériel et dans votre planification. Donc, on ne peut pas parler de... Ce n'est pas le même langage. Il faut vraiment devenir beaucoup plus souple au niveau de l'interprétation de ces chiffres-là. Mais ça, évidemment, il faut discuter de ça avec la direction, parce que là, en temps de COVID, évidemment, c'est pas, tout le monde ne comprend pas toujours la même chose. Il y a peut-être une explication à donner. Là. Les choses vont s'assouplir, je pense, graduellement avec la discussion. Ça va se préciser aussi. Ça va tendre à se préciser. Je pense que on a l'opportunité, dans cette crise-là, de repenser à toutes ces questions de règles-là qui vont encadrer. En ce moment, on se donne des équivalences, mais je pense qu'effectivement, peut-être qu'on va avoir l'occasion d'imposer ou de poser les balises pour une façon de penser différente. Merci beaucoup.
Monsieur Potvin, je crois que vous avez également une section à nous présenter. Il reste 15 minutes au webinaire, donc on pourrait peut-être procéder avec votre partie. Oui, alors moi j'avais une question justement en rapport avec la formation commodaire. Est-ce que vous donnez, vous avez répondu tout à l'heure à un certain nombre de questions, j'imagine les réponses devraient être en concordance avec ça. Est-ce que vous donnez actuellement des cours en classe diffusés simultanément en vidéoconférence? Donc, cours en classe et diffusés simultanément en visioconférence. Est-ce qu'il y en a qui font ça actuellement? Claude, tu étais supposé chanter pendant que les gens... Ah oui. Faut animer, mais en même temps, ça peut distraire les gens. C'est une bonne réponse. Alors, on a quand même 20% d'enseignants qui proposent cette formule-là. J'avoue que ça m'étonne un petit peu. Oui et non, en fait, je pensais que ça se faisait peut-être plus au secondaire, au primaire. Mais en même temps, probablement, peut-être, si on avait posé des questions, peut-être plus dans certains secteurs techniques, parfois, où l'obligation, il y a une obligation de présence. Mais bon, sachez que, Isabelle, tu peux passer à la suivante. Sachez que ça s'appelle, ça, une formule d'enseignement co-modal, quand on fait, effectivement, de deux groupes simultanément. Bon, comment distinguer de l'hybride? C'est évidemment l'hybride, vous êtes quand même plusieurs à faire de l'hybride, 44%, vous savez vraiment de quoi il s'agit. On pourrait dire simplement qu'il s'agit de retrancher des séances de cours en classe, on les donne à distance, peu importe le mode, que ce soit asynchrone ou synchrone. Donc, et puis ici, bon, c'est le ratio de l'Université Laval, l'Université d'Ottawa, c'est des définitions sont à peu près semblables, entre 20 et 80 % des cours qui sont retranchés comme ça, bon. Mais ce qui est important ici dans cette diapo-là aussi, c'est que c'est l'enseignant qui choisit le mode pour chacune des rencontres. Que ce soit en alternance à chaque semaine ou à chaque deux semaines ou de prévoir un bloc de je sais pas de 3-4 séances de cours en classe au début puis ensuite un certain nombre de cours ouais, plusieurs l'aménagement les combinaisons sont infinies. On peut penser aussi en formation continue, il y a beaucoup de fin de semaine de cours en présence puis le reste c'est à distance par exemple. Bon ben toutes sortes de formules hybrides. On peut y aller à la suivante maintenant. La définition du co-modal, ben c'est un autre type de combinaison de modes. Parce qu'en soi, à la base, il y a deux modes. En classe, à distance. Je simplifie les choses. Puis à distance, on peut dire qu'il y a du synchrone à asynchrone, oui. Mais ça reste que c'est un mode. Quand on parle de bimodal, là, à les universités qui se disent bimodal, ben c'est qu'on a les deux modes. On a de la présence puis la distance. Et là, l'hybride et le comodal, ce sont deux autres types de combinaisons de ces deux modes-là. Le comodal, dans le comodal, ben, plutôt que que ce soit l'enseignant qui choisit le mode qui est proposé à chaque semaine et c'est un seul mode par séance, un seul mode à la fois, ben, c'est l'étudiant qui va choisir le mode parce que tous les modes sont offerts, les deux modes sont offerts en même temps et les sous-modes aussi, c'est-à-dire le synchrone et la synchrone aussi sont offerts. Donc, deux sous-modes à distance. Donc, l'icône de droite, c'est l'enseignement en présentiel. L'icône en bas, c'est la visioconférence comme ce que vous vivez actuellement. Et celle de gauche, ben, c'est le site web qui représente, bon, s'il y avait une section, non pas une section de cours, mais une possibilité de suivre le cours de façon complètement asynchrone. On peut passer à la suivante. Alors, vous voyez, c'est trois, dans le fond, c'est trois parcours en parallèle, mais une seule cohorte, un seul groupe. Ça veut dire ça que l'étudiant, et c'est ce qu'on représente ici, le petit bonhomme, ça représente un étudiant, peut choisir à chaque semaine d'aller dans un cours en classe, par exemple, à la première semaine, à la deuxième semaine, de suivre plutôt le cours à distance asynchrone. Donc, il n'assiste pas à aucun cours en classe, ni en nécessairement, peut-être qu'il va écouter l'enregistrement, mais il n'est pas en présence au moment où le cours se donne, ni en virtuel, ni en réel. La troisième semaine, ben oui, il retourne en classe. Quatrième semaine, il dit, ah non, moi je vais être à distance chez moi, mais je vais suivre le cours chez nous directement en visioconférence. Vous voyez, comme ça, c'est l'étudiant qui choisit à chaque fois, à chaque semaine.
Évidemment, on peut dire, ben oui, mais comment le prof va savoir combien d'étudiants ils vont se présenter en classe si les étudiants qui choisissent, je n'ai plus le contrôle. Mais la réalité, c'est qu'on se rend compte que, je lisais encore un article ce matin, là, suite à une étude statistique bon, à l'Université Laval, neuf groupes, quatre facultés, on se rend compte que finalement, les étudiants, une fois qu'ils choisissent un mode, ils ne changent pas beaucoup. Seulement que 30 % des étudiants qui changent de mode d'une semaine à l'autre, ce qui fait qu'on a à peu près la même proportion d'étudiants en classe. On peut évidemment déterminer la grosseur des salles nécessaires pour ça à ce moment-là. Alors, évidemment, ça, c'était pas en période COVID. En période COVID, c'est peut-être un peu différent. Là, il y a d'autres facteurs, il va falloir d'autres études, d'autres statistiques, mais bon, reste que en classe, à ce moment-là, on a la possibilité de savoir à peu près combien il va y avoir d'étudiants, puis la proportion qui viennent en classe, c'est environ entre 20 et 30 % de façon générale. De façon très générale, évidemment, il peut y avoir des exceptions. J'ai entendu des cas où il y avait jusqu'à 60 % des cours, par exemple, plus de nature, compétences, relations humaines. Bon, les étudiants, c'était nécessaire pour eux de venir plus en classe. C'est toujours eux qui choisissent. Mais de façon générale, c'est 20-30 %. Bon, alors, ce qu'on peut dire aussi sur ce schéma-là, vous voyez que c'est évidemment donc les trois qui sont parallèles, les trois parcours qui sont parallèles. Les principes qui ont été déterminés par un prof qui s'appelle Brian Beattie en 2010, San Francisco State University. En fait, c'est une formalisation de quelque chose qui existait déjà un peu. Là, ceux qui ont connu la période des vidéoconférences salle à salle, puis il y en a encore dans certaines institutions. Je sais que j'ai discuté avec des gens de Cégep qui offrent encore des formations salle à salle, vidéoconférences. Ben, c'est une forme aussi de comodalité. Surtout que maintenant, aujourd'hui, on a pratiquement toujours dans les systèmes de vidéoconférence des ouvertures vers des gens qui peuvent... On donne la possibilité aux gens de se brancher avec la web caméra. Donc, c'est du commandage. Évidemment, donc, formaliser comme ça, le premier principe, le choix d'étudiants, j'en ai parlé. Le deuxième, c'est l'équivalence. Donc, on doit proposer des activités équivalentes selon les modes. Parce que sinon, c'est évidemment, on n'arrive pas à notre objectif d'apprentissage. La réutilisabilité, c'est l'idée que, dans le fond, pour un mode, si on crée du matériel pour un mode, et le plus évident, c'est que, bon, on fait un enregistrement comme ce qu'on fait aujourd'hui, un enregistrement de la formation, bien, il va être disponible aux étudiants asynchrones et à tout le monde. Donc, le matériel qui est produit, puis la même chose, si on a une section à distance, un parcours à distance asynchrone, on va développer probablement du matériel, ça prend plus de temps à faire, du matériel spécifique, mais on va le réutiliser pour les autres, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs. Et ça, c'est tout dans le même groupe, là, évidemment, c'est plus rentable si on le fait de session en session. Le quatrième principe, ben, c'est l'accessibilité, à savoir que normalement, dans la version pure de la chose, l'étudiant devrait avoir la possibilité de venir en classe ou de pouvoir se brancher, évidemment, à partir de son système de vidéoconférence, dans la mesure où il y a une bande passante nécessaire, puis il y a Internet. Mais là, c'est les formes pures. Il y a des formes moins pures. Souvent, on se rend compte que les étudiants choisissent, dans des formations en commodal comme ça, ben, ils choisissent un mode parce qu'ils sont justement à distance. D'ailleurs, ce mode-là est utilisé des fois pour augmenter les inscriptions, tout comme la formation à distance pure, d'augmenter les inscriptions, ce qu'on ne peut pas faire avec l'enseignement hybride. Hein? L'enseignement hybride, les étudiants, s'ils doivent se déplacer, ben, s'ils habitent très loin, ils viendront, ou qu'ils sont très pris par leur travail, par des responsabilités, ils viendront peut-être pas s'inscrire à un cours. Bon, voilà pour cette diapo. Isabelle, on peut passer à la suivante. Ça, c'est ce qu'on vit un petit peu aujourd'hui, dans le fond, sauf pour le parcours en différé, puis encore, puisque la présentation, je pense qu'elle va être accessible à tout le monde. Mais vous voyez, il y a un enseignant qui a un microphone, probablement un micro-cravate, c'est probablement la base, là, parce que vous pouvez le faire devant votre ordinateur assis devant un bureau, là, mais c'est probablement très statique. Les étudiants, les enseignants, la plupart d'entre vous, vous voulez vous promener dans la classe, donc ça prend une certaine liberté avec le micro-cravate pour pouvoir le faire. Maintenant, la caméra, elle n'est pas absolument nécessaire au début, mais c'est quelque chose qu'on peut ajouter par la suite. On peut ajouter aussi un tableau interactif, numérique interactif. Bon, on peut avoir différentes choses, peut-être deux caméras, une en avant, une en arrière, en tout cas. Mais vous voyez que ça prend à ce moment-là un dispositif technique, peut-être des salles aménagées, dans le meilleur des cas. Dans le moins complexe des cas techniques, ben avoir au moins un micro-cravate et un système de visioconférence. Lorsque beaucoup de gens, ben, un modérateur comme ce que fait aujourd'hui Marie-Michel, c'est bien utile. Évidemment, il y a un enregistrement qui est accessible éventuellement à l'ensemble
de tous les étudiants. On peut passer à la suivante. Bon, il y a une représentation, peut-être revenir à l'autre, cette photo-là. C'est pour vous montrer si c'était avant la COVID, mais vous voyez qu'il y a quelques étudiants en classe, ça ressemble probablement à ça. Ils sont probablement déjà à 2 mètres, mais c'était avant, parce qu'il n'y avait pas grand monde dans la classe. Comme je vous disais qu'il y avait à peu près 20 %, là, ça reflète probablement la situation encore actuellement. Si on continue, bon, ça, c'est juste la représentation de ce que voient les étudiants à distance et ce que vous voyez actuellement. On peut continuer. Ici, j'ai repris le tableau de cohérence pédagogique qui se retrouve dans la formation JAD adaptée, que j'ai trafiqué un peu parce que je voulais simplement vous montrer que, dans le fond, pour l'enseignant, évidemment, il faut prévoir une planification un peu plus complexe parce qu'il faut prévoir un équivalent pour chacun des modes en classe, à distance synchrone et à distance asynchrone en même temps. Donc, j'avais pris le cas, je ne m'attendrai pas là-dessus parce que je vois le temps fil, mais j'avais pris le cas le plus simple pour une présentation magistrale, mais même là, à distance asynchrone, on peut écouter l'exposé, oui, mais comment on fait la séance de questions-réponses? Bien, il faut trouver un équivalent, là, par exemple, par le forum. Mais la question se pose, d'autant plus si on fait, par exemple, de l'interaction, évidemment, dans nos classes. Puis, pratiquement tout le monde fait de l'interaction dans ses classes de façon générale, pour certaines disciplines plus que d'autres. À ce moment-là, il faut utiliser les outils un peu plus techniques. Ça revient à la question de tout à l'heure. Il faut maîtriser certains outils. Il faut, dans la deux classes virtuelles, faire des petits groupes, maîtriser l'atelier, les échanges et tout ça. Et à distance asynchrone, il faut se poser la question comment on peut répliquer ça. C'est pas nécessairement toujours par un forum, ça peut être de différentes façons. On n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, mais voyez qu'il faut trouver un équivalent. On peut passer à la suivante pour chacun des modes. Finalement, je vais passer rapidement sur l'hybride parce que vous en faites déjà pas mal. Puis, voyez, on le fait pour toutes sortes de raisons, entre autres actuellement pour diviser les groupes parce qu'on ne peut pas avoir des groupes pleins. Donc, on coupe le couple en deux, en trois, on fait plusieurs séances. Ça, c'est une raison pour laquelle on fait l'hybride, même avant la COVID, la classe inversée, etc. On peut passer à la suivante. Je voulais surtout vous parler du comodal. Donc, du côté de l'enseignant, une seule cohorte, un seul site, mais évidemment, il y a une certaine économie d'énergie là, au bout du compte. Plutôt que d'avoir trois groupes différents, il peut y avoir une certaine économie d'énergie. Par contre, il y a une gestion simultanée d'une classe physique, d'une classe synchrone, puis éventuellement même d'un parcours complètement asynchrone. Alors, c'est un certain défi, ça, pour un enseignant. Il y a une forte composante technique, donc besoin d'assistance nécessairement au début du cours. Puis, évidemment, lorsque l'interaction, c'est un certain défi. Mais pour l'étudiant, évidemment, ce qui est intéressant, c'est la flexibilité parce que les étudiants qui ont besoin d'un contact, et on sait qu'il y en a beaucoup actuellement, il y en a beaucoup qui l'ont exprimé au moment de la COVID, de la crise COVID dans les derniers mois. Ben, ces gens-là, les étudiants-là vont être très contents de venir en classe au moins quelques fois. À leur choix, puis ceux qui sont moins autonomes aussi, parce que tout on sait, c'est un gros défi d'enseignement à distance, les étudiants doivent être autonomes, avoir une certaine autonomie ou sinon l'acquérir après peut-être quelques semaines. La dernière, je crois, Isabelle, c'est justement la question de la satisfaction des étudiants par rapport aux différents modes. Ben, écoutez, ce qu'on a vu dans les grandes études, la formation hybride semble se démarquer un peu au niveau, mais pas de façon très, très exceptionnelle, mais quand même, se démarque un peu par rapport aux formations en classe et en FAD qui sont à peu près similaires au niveau de toutes les études qui sont sorties, là, peu importe les rumeurs que vous avez entendues, en termes de satisfaction, c'est assez équilibré. Par contre, l'abandon, on sait que les taux d'abandon, ça c'est une autre chose, sont plus marqués en formation à distance. En termes de satisfaction, c'est à peu près équivalent en classe et en formation à distance. Et en hybride, c'est légèrement supérieur. Ce qui est surprenant, c'est que pour le comodal, écoutez, les études qu'on a vues, c'est que c'est très fort, la satisfaction par rapport au comodal. L'étude de l'Université Laval dont je vous parlais tantôt, c'est 95 % de satisfaction, satisfait, très satisfait, 300 étudiants qui ont été sondés. C'est très, très étonnant. Et ça veut dire que les étudiants sont prêts à... et bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème dans ces cours-là. Il y a eu des problèmes techniques, des temps d'attente, des coupures, les profs qui essaient de manipuler, de maîtriser la technique. Mais les étudiants sont prêts à faire ce sacrifice-là de que ce ne soit pas tout à fait parfait au niveau technique, mais en échange, ils ont le choix. Et ça, ça a l'air d'être de l'or pour eux, en tout cas. C'est comme ça que je l'explique pour le moment.
Par contre, au niveau de l'effort de développement, vous voyez que c'est quand même un bon défi de faire du co-modal. Mais dans le contexte de ce qu'on vit actuellement, en situation de crise, qui on ne sait pas combien de temps ça va durer, il y a des moments où on va probablement avoir, ça va être un petit peu plus permissif, on va retomber en zone verte ou un peu moins rouge, un peu moins orangé. À ce moment-là, bien, les étudiants vont peut-être plus pouvoir se déplacer en classe. Donc, c'est une formule qui est peut-être envisageable au fur et à mesure que la crise va évoluer. Peut-être que vous allez pouvoir considérer cette formule-là comme je disais tout à l'heure, est très appréciée par les étudiants. J'ai dépassé mon temps. Merci, Monsieur Potvin. Oui, effectivement, le temps file. Hein? On a eu plusieurs questions, plusieurs échanges, donc c'était très intéressant. Je me permettrais peut-être de vous adresser une dernière question considérant l'ensemble des modalités de formation à distance que vous avez exposées aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une période test ou un premier contact qui est à créer avec les étudiants pour leur permettre de se familiariser avec l'ensemble des outils qui sont proposés, que ce soit en mode hybride, comodal ou autre? Est-ce que vous pensez que ça doit être fait en amont à toutes ces possibilités-là qui sont offertes aux enseignants là, pour offrir dans le contexte actuel la poursuite de leur enseignement? Oui, quand c'est possible de le faire, c'est toujours une bonne idée de faire une pratique. Donc, nous, même habitués à jouer avec la technologie, on a fait une pratique avant de faire ce webinaire-là pour s'assurer qu'on pouvait fonctionner en harmonie avec tous les acteurs impliqués. Donc, de prévoir, quand c'est possible, un temps où les étudiants peuvent s'approprier la technologie ou les technologies que vous avez choisies. C'est toujours une solution gagnante. Moi, je le faisais souvent dans la première séance où je parlais du contenu du cours. Je faisais faire des tests techniques à l'ensemble des étudiants où des fois, on peut mettre une période de disponibilité, par exemple, pour tester les outils d'une classe virtuelle synchrone où les étudiants peuvent se présenter à tour de rôle pour faire leurs tests. Avec un technicien ou avec vous, dépendamment de comment vous êtes organisé dans votre établissement d'enseignement. Merci beaucoup. Donc, si vous le permettez, j'irai peut-être, puis je vais ouvrir ma caméra pour avoir plus d'interactions. je remercie infiniment M. Potvin, Mme Gagnon, Mme Savard pour ce temps, ces bons conseils, toute l'expertise que vous avez livrée. Et au nom de ma collègue Karine Vieux-Fard, qui elle est coordonnatrice au CAPRES et moi au sein de la pédagogie universitaire de l'Université du Québec, on vous remercie tous les participants.